Bonjour, ça va bien? Dans cette vidéo, on va voir un TPE, qui est la plateforme d'affiliation de produits numériques française. La plus connue, c'est la seule. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est niveau débutant. En fait, pour le niveau des gens qui ne connaissaient pas un TPE. Je ne sais pas ce qu'ils connaissent en affiliation. Peut-être Clickbank, Jivezou, Amazon, je ne sais pas. Mais en tout cas, un TPE, il faut qu'ils connaissent. En tout cas, il faut qu'ils s'y mettent, ça c'est sûr. Et je vais expliquer dans cette vidéo pourquoi et comment faire. Déjà, sachez, alors pour les Africains, parce qu'il y a beaucoup d'Africains francophones qui, à juste titre, se méfient, se disent, est-ce que ça marche en Afrique? Eh bien, un TPE, oui, il y a déjà plein d'Africains qui l'utilisent. Et le seul problème pour les Africains, c'est quand on n'a pas d'adresse postale. Parce qu'un TPE, il est gratuit. Donc, par contre, ils veulent vérifier l'adresse postale. Bon, c'est comme ça. Et en Afrique, il y en a qui n'ont pas d'adresse postale. Alors ça, il faut vous débrouiller parce que vous allez recevoir une carte postale par la poste et avec un code. Et il faudra vérifier que dans votre compte de TPE, vous mettrez le code que vous avez reçu par la poste. Voilà. Bon, pour tous les autres gens, on s'en fout. Il y a une vérification d'adresse postale. Mais comment s'inscrire? Mais ça, cette vérification, elle ne se passe qu'au moment du premier paiement de commission. Donc au début, pour s'inscrire, il n'y a pas besoin. Alors, on est là sur la page d'accueil. OK. Qu'est-ce que je peux dire sur un TPE? C'est simple. Vous pouvez imaginer, ça serait comme un supermarché. Il y a un catalogue des milliers de produits à vendre. Et c'est un supermarché qui vous dit, allez, vous vous inscrivez chez moi, c'est gratuit. Et si vous m'amenez un client dans ce magasin, s'il achète un produit dans mon supermarché, et je vous donne une commission, c'est-à-dire une part du prix qu'il a payé, je vous la donne à vous. Voilà, c'est l'idée d'un TPE, c'est un supermarché des produits numériques, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas des produits physiques. Ça peut être des e-books, des formations vidéo, des services. Donc un accès à un site, etc. Tout ce qui est dématérialisé. Donc des produits numériques. Et donc c'est un gros catalogue. Quand on s'inscrit, on peut faire la promotion de n'importe quel produit du catalogue. On n'a pas besoin de demander la permission pour chaque produit. On a, avec son code, son pseudo, un TPE, on peut faire la promotion de tous les produits. Et on touchera la commission sur tous les produits. Ces produits, ce n'est pas un TPE qui les crée, c'est des vendeurs. Ça s'appelle des vendeurs. En fait, c'est comme des producteurs qui fournissent au supermarché. Le supermarché accepte de les mettre en rayon. Voilà. Donc, mais chaque vendeur n'a pas de contrôle. Il n'y a pas beaucoup de contrôle sur ce qui se passe. Pour la vente, c'est un TPE qui gère. Donc, les clients qui viennent acheter, qui passent par le bon de commande, en fait, c'est les clients de un TPE au final. Ce n'est pas les clients du vendeur ou les clients de l'affilié. Niveau comptabilité, c'est un TPE qui encaisse l'argent des clients et qui reverse la commission aux affiliés et la part restante au vendeur. Voilà. Et il y a une garantie de remboursement sur tous les produits de 30 jours, sans discussion. Et ça, les vendeurs n'ont pas la main dessus. Ils n'ont pas à décider, oui, est-ce que je vais rembourser à ce client qui est malhonnête, qui a juste acheté pour avoir la formation gratuite, est-ce que je ne vais pas le rembourser? Non, ils n'ont pas le choix. C'est un TPE qui rembourse sans discussion dès qu'il y a une demande. Voilà, ça c'est comme ça. Et si les vendeurs ne sont pas d'accord, eh bien, ils ne mettent pas leurs produits sur un TPE. Donc, en tant qu'affilié, moi je parle dans cette vidéo en tant qu'affilié. Ça, cette garantie, elle est très importante parce qu'elle n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment sans discussion. Les gens n'ont pas besoin de donner une raison, d'inventer une raison ou de dire qu'ils sont insatisfaits. Juste demander le remboursement. Donc c'est un argument de vente. Vous dites, vous ne prenez aucun risque parce que vous pouvez demander le remboursement et il est fait. Ce n'est pas comme une garantie de remboursement chez un vendeur qui, lui, va décider, va mettre ses conditions pour accepter ou pas le remboursement. Donc c'est un argument à utiliser quand on fait la promotion de ces produits. Bref. Donc là, quand on est là, on va sur inscription. OK. Inscription gratuite, bien sûr. C'est gratuit. Donc on choisit un pseudo, maximum 12 caractères. Moi, ce que je conseille, c'est de prendre le plus court possible ce pseudo. Il n'y a pas besoin qu'il soit. Voilà, ça peut être 1, 2, 3, mais 1, 2, 3, il va être pris. Donc prendre quelque chose de court, ça peut être un mot de la langue française, sans accent, hein, le plus court possible. Donc il suffit d'aller chercher une liste de mots à 3 lettres, 4 lettres. Et d'en mettre un et qu'il soit libre. Votre email, donc il faut que ce soit un vrai email qu'il reçoit. Le mieux c'est Gmail parce que les styles Hotmail, Yahoo, Outlook, tout ça, ils peuvent carrément dire, ils peuvent le mettre en spam, les emails d'un TPE, et même carrément ne même pas les mettre en spam, ne pas les afficher. Donc il vaut mieux, moi j'utilise Gmail, lui au moins, même s'il les met en spam, ils sont dans le dossier spam, on peut les retrouver. Donc voilà, mettez un email si vous avez Gmail, c'est le mieux. Ensuite, voilà, il suffit d'accepter les conditions.
Et par email, vous allez recevoir un mot de passe qui est déjà créé. Vous pourrez changer plus tard, mais en tout cas, il vous envoie le mot de passe par email. Donc, une fois que vous faites ça, créez votre compte, vous allez voir dans votre email, même dans le dossier spam, retrouver l'email d'un TPE qui vous donne le mot de passe. Et ensuite, retournez sur un TPE.com et vous cliquez sur connexion. Et là, voilà, moi j'ai page et mon mot de passe, se souvenir de moi, connexion permanente, allez, connexion. Et là, on arrive sur l'interface. Donc là, je vais montrer l'interface du mien. Voilà. Donc mon pseudo, c'est page. Et là, il y a les informations. Donc ça sera sûrement à zéro ici au début. Et les graphiques aussi seront tous à zéro. Donc une fois qu'on est dans l'interface membre connecté, là, si on veut faire la promotion d'un produit, donc déjà pour voir tous les produits qu'il y a, on clique sur catalogue produits. Donc voilà, on voit les nouveaux produits. On descend les produits sponsorisés, ça c'est les vendeurs qui payent un TPE pour pouvoir être dans cette liste. Moi-même, j'ai payé ici puisque j'ai un an. Club Affiliation Facile, c'est mon produit. Donc j'ai payé pour être dans les produits sponsorisés. Et en bas, il y a le top 10 des produits du mois. Ça, c'est tous les premiers du mois. La liste se remet à zéro. Et c'est le top 10 par nombre de ventes. Mais il n'y a pas marqué le nombre de ventes. Mais on sait que c'est celui-là qui se vend, qui s'est vendu le plus. Celui-là en deuxième, troisième, quatrième. Faut savoir quelque chose. Il faut pas se baser sur ça pour faire la promotion, pour choisir son produit. Faut pas se dire, ah, celui-là, il s'est vendu le plus ce mois-ci, donc je vais en faire la promotion parce que je risque d'en vendre aussi. Non, parce que celui-là, par exemple, dresser votre chien 15 minutes par jour, c'est sans doute le vendeur lui-même qui paye de la publicité sur Facebook ou Google pour vendre son produit. Donc il peut-être il met 5 000 euros par mois de publicité et il en vend plein, ce qui lui rapporte 10 000 euros par mois. Et donc ça lui rapporte 5 000 de bénéfices. Et ce qui fait qu'il se retrouve toujours dans le top 10 du mois. Donc c'est pas vraiment, et c'est pas parce que vous allez faire la promotion de celui-là que vous allez en vendre. Parce que lui, le vendeur, il fait de la publicité, donc il cible les gens qui, dans les groupes Facebook qui parlent de chiens, etc. Donc vous allez faire votre petite pub, ça va pas marcher. C'est comme ça. Donc ce qu'il faut voir dans le top 10 du mois, à part des cas comme ça, il peut y en avoir d'autres, des cas un peu exceptionnels. Mais ce qu'on voit surtout, c'est que la thématique qui rapporte, qui se vend, c'est quand ça tourne autour de l'argent, ça parle d'argent. Par exemple, celui-là, comment obliger les sites X à vous payer? Un robot turf PMU pour 19 euros seulement. Ça aussi, c'est du turf. Là aussi, du turf. Ces deux-là, c'est Challenge Pécunia, Facebook Ads Empire. C'est que des choses qui parlent de gagner de l'argent sur Internet. Lui, les frais professionnels du président SAS ou SASU. Lui, c'est possible qu'il en vende par la pub, parce qu'il peut cibler les gens qui ont des entreprises SAU sur LinkedIn, j'en sais rien. Mais en tout cas, la thématique qui marche le plus, c'est quand ça tourne autour de l'argent. Donc là, on va voir. Imaginons que je veux faire la promotion du club Affiliation Facile. Faut cliquer sur le bouton bleu. Voilà. On a la description, on a des informations, le prix, le nombre d'affiliés qui en ont déjà vendu au moins une fois. Et aussi le nombre d'affiliés qui en ont vendu au moins une fois durant ces 3 derniers mois. On voit la catégorie, le taux de remboursement de ce produit, donc 20%. Donc une personne sur cinq demande à se faire rembourser ce produit depuis le début. La date de mise en vente. Et ensuite, vous avez vos liens affiliés. Mais il faut savoir que vous n'avez besoin que d'un seul lien affilié. Donc comment, lequel choisir? Le plus simple, c'est de prendre le premier, ou le deuxième, ou le troisième, ou le quatrième. Voilà, il suffit d'en prendre un. C'est tous les mêmes. Ils sont différents. Donc le plus simple, c'est de prendre le premier. Après, en bas, on voit le dernier, c'est un. Il y a marqué un lien pour Facebook. Sinon, votre publication sera bloquée par Facebook. Il faut savoir que de toute façon, ce lien peut être bloqué par Facebook. Et encore de toute façon, il ne faut pas poster son lien affilié sur Facebook. Voilà. Donc ça ne sert à rien. Mais les gens postent quand même leur lien affilié sur Facebook. Donc pour ça, un TPE a fait un autre lien qui passait sur Facebook à un moment donné et qui ensuite a été bloqué. Et des fois, il est débloqué, des fois, il est rebloqué. Mais il a fait parce que les gens postent de toute façon. Ils ne veulent pas comprendre qu'il ne faut pas poster son lien affilié sur Facebook ni ailleurs. Son lien affilié, là, ce ne sera pas l'objet de cette vidéo, mais j'en ai parlé. Après, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas envoyer son lien affilié. Il faut toujours essayer de vouloir capturer l'email des gens et leur envoyer votre lien affilié par email avec un autorépondeur email. Ça, c'est la seule façon qui fonctionne en affiliation. Ce n'est pas un choix, ce n'est pas une option, c'est comme ça. Donc, tant que vous ne ferez pas comme ça, vous n'avez pas commencé l'affiliation. Mais pour cette vidéo, je parle de comment trouver son lien affilié parce que c'est important. Voilà, le premier, c'est bon. Ça, c'est votre lien affilié. Si quelqu'un clique dessus et arrive sur la page de vente de ce produit et qu'il achète, vous toucherez la commission parce que dans ce lien, il y a votre pseudo.
un TPE. Donc vous êtes identifié comme étant celui à l'origine de la visite de ce client qui ensuite a acheté, donc vous touchez la commission. Voilà comment faire. Après, bien sûr, quand on a cliqué donc sur catalogue produit, on est sur le produit, sur le catalogue déjà, et on peut faire des recherches. Là, il y avait les nouveaux produits, produits sponsorisés et le top des ventes, mais aussi si on clique sur catégorie, on a toutes les catégories et on peut chercher comme ça des produits si on a des préférences sur une catégorie en particulier et qu'on veut faire, on veut voir qu'est-ce qu'il y a comme produit à promouvoir dans celle-là. Mais moi, ce que j'ai fait, donc avec mon club et avec aussi 29euros.com, mais en tout cas, quand on a une adhésion à mon club, on a accès à ma liste des meilleurs produits TPE, les plus rentables. Parce que je récupère tous les produits du catalogue et toutes les informations de ces produits. Donc le montant de la commission, le taux de commission, le nombre d'affiliés en ayant déjà vendu depuis la date de sortie et aussi depuis les 3 derniers mois, etc. Avec ça, je fais un critère, je classe les produits par plusieurs critères et ça fait un classement global et ça donne le premier, deuxième, troisième, avec vraiment des informations. Donc sans parler de catégorie, de quoi il parle ou quelle est la nature du produit, c'est uniquement avec ces critères. Donc on a les produits rentables, les produits qui sont vendus par plein d'affiliés et qui ont une bonne commission, etc. Donc le mieux, je trouve, si on fait une machine à vendre avec un autorépondeur, page de capture pour capturer les emails, et donc sur Facebook, on fait la promotion de cette machine à vendre, et quand les gens arrivent dessus, ils reçoivent des emails avec des produits un petit peu rentables. Et on peut avoir comme ça 50, 100 emails déjà prêts qui partent un tous les 2 jours. Voilà, donc pendant plusieurs mois, la personne va recevoir ces emails à moins qu'elle se désinscrive de la machine. Elles peuvent se désinscrire à tout moment. Donc elle va recevoir ces emails avec des produits rentables, des produits qui se vendent facilement. Et donc certaines personnes vont cliquer, vont acheter et vous toucherez la commission sans avoir fait de choix, sans être allé voir les produits, sans les avoir achetés. C'est pas vous en fait qui choisissez vraiment à la main chaque produit. Vous vous basez sur une liste. Donc en étant membre du club Affiliation Facile, vous avez accès à cette liste. Sinon, vous pouvez acheter uniquement la liste. Ça, c'est sur 29euros.com. Mais je ne vois pas l'intérêt parce que être membre du club Affiliation Facile, c'est un gros intérêt. Et en plus, il y a accès à cette liste qui n'a plus qu'à ensuite à copier-coller dans votre campagne email, dans l'autorépondeur. Enfin bref, ce n'est pas peine d'essayer de vous convaincre, mais de toute façon, vous devriez être membre du club Affiliation Facile si vous avez un compte, un TPE. Maintenant, si vous préférez réfléchir, vous n'avez pas de sous, quoi, vous préférez réfléchir à ça, au final, vous n'allez pas le prendre. Parce que si vous pouvez réfléchir et décider de le prendre, en fait, peut-être vous serez avancé. Donc prenez-le et après réfléchissez à pourquoi, qu'est-ce que c'est que j'ai acheté, à quoi il sert, comment je peux m'en servir du club et de tous les outils qu'il y a dedans. C'est mieux de faire comme ça, il y a plus de chances que vous arrivez à quelque chose. Parce que sinon, en réfléchissant, vous allez abandonner vite fait et ne pas le prendre. C'est ce qui se passe voilà, pour la plupart des gens. Donc si vous pouvez suivre un conseil une fois, c'est prenez ça, voilà. Prenez le club Affiliation Facile. C'est le seul club qui existe pour les gens qui ont un TPE. Il n'y en a pas d'autres. Donc, vous n'aurez pas à dépenser plein de fois, juste un. Et en plus, vous pouvez le prendre, voilà, si vous avez compris, dans un TPE, il y a quelque chose aussi, c'est qu'on peut prendre tous les produits, on peut les acheter avec son propre lien affilié. Ça fait qu'on va toucher la commission sur notre propre achat. Là, par exemple, dans ce cas, si vous achetez celui-là à 199 euros hors taxe, la commission est de 60%. Donc, il y a 119,40 € qui reviennent sur votre compte un TPE, et c'est en tant que commission, et qui vous sera payé comme n'importe quelle autre commission de un TPE. Donc, ça fait que le prix est en fait 199 euros moins 119. Plus la TVA, voilà, si vous êtes un particulier en fait, ou auto-entrepreneur, la TVA, vous la payez en plus. Bon, ça fait 40 euros de plus, mais en gros, ça ne va pas coûter 199 euros, ça sera moins 119 qui revient. Donc ça fait une discount, une réduction de 60%. On peut l'acheter, c'est autorisé par un TPE. Voilà, bon, il y aurait d'autres choses à dire, bien sûr, sur tout ça, mais au moins, je vous ai montré les bases, comment s'inscrire sur un TPE. Et comment s'en servir, à quoi ça sert? Il n'y a rien d'autre à faire. Un TPE ne fait rien d'autre. Il ne fait pas autorépondeur. On ne peut pas faire une machine à vendre avec un TPE. Pour ça, pour faire la machine à vendre, il faut un autre outil qui fait autorépondeur et page de capture. Un TPE, c'est un catalogue, comme j'ai dit au début, c'est un supermarché avec des produits dedans. Et on peut envoyer des gens, des visiteurs, dans ce supermarché. Et s'ils achètent, on touche une commission sur ce qu'ils ont acheté. Voilà, c'est tout à quoi il sert. Après, comment les faire aller au supermarché? Ça, c'est. Justement, c'est une autre partie du travail. Ça concerne la machine à vendre, comment amener du trafic sur notre machine à vendre. Et la machine à vendre, elle, se charge d'envoyer les gens dans le supermarché, un TPE.
Mais chaque partie a son rôle. Et un TPE, son rôle est très simple, c'est juste un catalogue. Voilà. Vous avez compris? C'est bon, et ça marche en Afrique et de partout. Et il n'y a pas de problème, ça existe depuis 2007. Il n'y a jamais eu une plainte d'une personne qui ne s'est pas fait rembourser, un client, donc la garantie de remboursement, elle est vraie. Et il n'y a jamais de problème de retard de paiement ou des affiliés qui ne se font pas payer, des vendeurs. C'est une entreprise en France, en Bretagne, qui est depuis 2007. Donc ça fait 13-14 ans, il n'y a pas de problème. Ils ne vont pas commencer juste maintenant et juste pour vous. Donc on peut quand même faire confiance à cette plateforme d'affiliation. Et il y a des avantages aussi comptables. En particulier quand on est un auto-entrepreneur avec l'histoire d'être taxé sur le chiffre d'affaires, avec un TPE, même si on vend ses propres produits, il vaut mieux les faire vendre par un TPE pour pouvoir avoir des affiliés. Comme ça, notre chiffre d'affaires, c'est vraiment la part vendeur qu'on reçoit. Et on a un seul client, c'est un TPE. C'est pas chaque client individuel à qui on doit faire payer avec TVA ou bien les affiliés qu'on doit leur reverser. Non, on n'a que ce qu'on reçoit. C'est ça le chiffre d'affaires. Donc c'est intéressant pour les auto-entrepreneurs, même qui veulent vendre leurs produits avec des affiliés. Et quand ils veulent vendre sans affiliés, ils peuvent passer par leur propre moyen de paiement, PayPal, Stripe, et gérer leurs clients. Voilà. C'est pas. Quand on met un produit sur un TPE, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le mettre ailleurs. Il n'y a pas d'exclusivité. Donc c'est pas mal, il y a un intérêt pour ça. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, un peu de musique pour justement un des outils ou l'outil qu'on peut utiliser pour faire sa machine à vendre. C'est System.io. Bye bye. Yeah, hey, system.io.com. This is major, way more than just a sales funnel creator. Got an online business? Tell me, why are you waiting? It's time for you to get your day-to-day automated. Yeah, sell digital and physical products. Host online courses? That's what's up. At only $27 a month. Better and cheaper than competitors. What more could you want? Let's go. System.io, this is what you're wanting. Better price, more features than ClickFunnels. System.io, sure enough, growing in the English and the Spanish markets with the French touch. Time to get your day-to-day automated. PayPal and Stripe, yeah, it's all integrated. So many features that the competition can't beat. Have an online business, this is what you need. Yeah, System.io.com, the only tool you need to launch your online business. Check it out now. Wanna hear you say, what is this? It's the only tool you need to launch your online business. Never mind ClickFunnels, that's all wrong. You need to hit up system.io.com. Don't gotta think about it, no, you don't gotta ponder. Cause system.io.com got an email autoresponder. And ClickFunnels doesn't, so we know you gon' love it. And you can create your website or blog on it. In addition with your traditional sales funnels too. System.io.com is the number one move. You won't lose. A sales funnel creator, smashing competition, cause you know that we greater. We're new, cheaper, with more features too. For only $27 a month, you can't lose. Yeah, and you can't go wrong. Go ahead and hit up system.io.com. Creating sales funnels, yeah, you know we the bomb. So go on and hit up system.io.com. Click funnels, Kartra, etc., etc. System.io.com is the number one competitor. So, nah, you can't go wrong. Go ahead and hit up system.io.com. Yo, system.io.com is the best. Yeah, system.io.com is the best. System.io.com, you can't go wrong. Make your online business grow so strong. Best prices in favor of the customer. Get what you need so you can be the winner. ClickFunnels, Kartra, they can't test. System.io, we are the best. So listen up to the things that we do and some of the ways that we can help you. Email sent, funnels and blogs, membership sites, domains non-stop, marketing automation so you can reach the nations, Stripe and paper integration, AMD tests, nothing but the best, all the stuff you need, we do the rest, from $27 to $97, we'll take your business up to heaven, system.io.com are the best, system.io.com, what, system.io.com are the best, system.io.com are the best, we can coach you on
one-to-one, so your business goes strong. The only tool you need to launch your online business. In these days where online prevails, you need a good system to make the sales. This is where System.io comes in. A hyper system to make you win. We do much more than our competitors do. Run affiliate programs to bring in the new. You want email subscribers? We got it. And long-term members? We got it. Click upsells and all the bumps. Everything is covered, we got the live. So if you're serious, come join with us. We'll make your business boom if you come with us. Every day is an opportunity. So come join System.io so you can see. System.io.com are the best. System.io.com. What? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Yo, we got it all covered, man. From $27 to $97, the only tool you need to make your online business grow. Yo, sign up. Listen up, we can make your online business grow real fast. ClickFunnels and Kotcha will be a thing of the past. Sign up with System.io, I mean today. Your customer database will grow, you hear what I say? Best prices you will find anywhere. Just let the system run and don't fear. We got the system, you got the vision. Go ahead, my friend, and make the right decision. Customer support and one-on-one, 24/7 to get the job done. We gonna rock it for you if you rock it with us. We keep climbing, never ever lying. System.io is definitely the way. The system you need to make your business boom today. System.io.com are the best. System.io.com. What? System.io.com are the best. System.io.com are the best. Come check us out. System.io.com. The system to change and revolutionize your business. The only tool you need to make your online business grow. System.io.